Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM. Bilal est encore en route, il ne devrait tarder à arriver, mais bon, voilà, j'ai la lourde tâche de prendre le micro, mais ça devrait bien se passer pour ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM. Au menu de cette émission, on parlera notamment de Benjamin Pavard. Est-ce que c'est le grand gagnant après la victoire de l'équipe de France hier soir contre l'Écosse sur le score de 4-1? On parlera également de Deschamps. Est-ce qu'il a enfin son équipe type à quelques mois du championnat d'Europe? Et puis les droits TV, la Ligue 1 n'attire plus grand monde visiblement, donc on en parlera également tout à l'heure. Tout de suite, le plateau de ce soir. Time Sport. Il est pour parler. Pour m'accompagner ce soir, Yasmine qui est avec moi. Yasmine, comment ça va? Bonsoir Claude, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM et de Time Sport. Ben, ça va super. Impeccable. Super. Belle journée passée. Bon, il pleut hein, malheureusement sur Paris, mais bon, tout va bien. On fait avec Juan José, l'infatigable, est avec nous ce soir. Comment ça va Juan José? Hola, buenas tardes. Très bien, avec envie de débattre avec vous. Au sujet de Pavard, au sujet de l'équipe de France, et bien sûr des droits de TV. Oui. Puisque si vous êtes dans ce merdier, excusez-moi, c'est à cause de Mediapro. Eh oui, merci Mediapro. Une société espagnole. Merci, merci Mediapro. Jouba est avec nous ce soir, il était déjà hier soir. Avant-hier soir, j'ai fait toute la semaine. Hein, ouais. Depuis ton retour. Exact, depuis le retour à Paris. Moi, je vais pas vous mentir les amis, j'ai hésité à venir avec la petite bouteille de champagne pour pas que Darmanin nous dise qu'on est lié aux frères musulmans. Jouba, c'est juste mon petit coup de gueule d'entrée, parce que le tacle sur Benzema, j'ai vraiment pas apprécié. On va pas en parler, je crois, ce soir, c'est dommage. Il y a Adil qui en a parlé juste avant. Voilà. Mais ouais, c'est déplorable. Mais bon, c'est à l'image de sa politique, c'est une catastrophe quoi. Les informés, c'est avant justement Time Sport, et puis ça ne regarde que toi, Jouba. Exactement, non mais moi, c'est mon point de vue que je défends, et que de l'amour sinon sur le reste du peuple français qui vit hélas de tristes moments. Ouais, allez, solidarité en tout cas pour le peuple français. Allez, on passe à la première rubrique. Time Sport. Il est pour parler. L'équipe de France qui s'impose hier soir sur le score de 4-1 face à l'Écosse, avec notamment un doublé de Pavard, but de Mbappé sur penalty, but de Coman. Est-ce que Pavard est le grand gagnant justement? On a souvent tendance à le critiquer à juste titre, ou pas. Qu'en est-il après cette performance où il a évolué également, notamment dans l'axe? Alors c'est vrai qu'on peut pas lui enlever ça. Hein. C'était le retour de Benjamin Pavard qui n'était pas là. Contre les Pays-Bas, il est revenu dans une position qui était différente. Là, il était en défense centrale. C'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir évoluer plutôt latéral droit, où il n'a pas forcément apporté satisfaction. Là, il était plutôt dans un rôle de défenseur central. Il a déjà été auparavant avec Stuttgart et le Bayern. Maintenant, il est avec l'Inter. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Il est bon physiquement. Il est bon dans la relance également. C'est quelqu'un qui a hier apporté une certaine sérénité. Après, de là à se dire qu'il pourrait éventuellement prendre une place de titulaire en défense centrale, là, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Mais par contre, Deschamps a une troisième solution après Upamecano et Konaté. Donc c'est de bon augure, je dirais, pour la défense. Il reste quand même ce petit point noir, je dirais, sur ce côté droit, où on n'a pas forcément encore... Jonathan Clauss, quand même. Si, mais quand je te parle de ce côté droit, c'est plutôt en défense centrale et en attaque sur Dembélé, oui. Coman... Le couloir droit, Pavard, voilà, le couloir droit, ou Pavard, Koundé. Pour l'histoire, Pavard a marqué plus que Dembélé en équipe de France. 4 buts pour Dembélé, que Ben Yedder, que Martial aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est énorme, c'était une petite stat. Vas-y, je t'en prie. Juan José, après Jouba. Écoutez, moi j'ai un avis bien différent de celui de Jasmine. Pourquoi? C'est vrai que l'homme de match, c'était lui hier, logiquement. De but, c'est super. Mais on sait tous comment ça s'est passé lors de la Coupe du Monde.
Donc ce n'est pas l'homme qui était en odeur des saintetés. Et puis, c'était un match assez particulier, parce que c'était chez lui, entre guillemets, parce que c'était aussi l'Écosse, une équipe qui, même s'il y a quand même, qui s'est améliorée pas mal cette saison, c'est une équipe qui était déjà qualifiée par l'Euro 2020, pour l'Euro 2024. D'ailleurs, elle est dans le groupe de l'Espagne, elle est déjà qualifiée avec l'Espagne. Et, c'était, et ça restait un match amical. Mais d'accord, c'était un très beau match pour Pavard, mais attention, Pavard, dans l'axe central, je suis d'accord à Jamie par contre sur le fait qu'il n'est que le troisième, voire le quatrième choix pour jouer dans l'axe de la défense. Je ne suis pas sûr, moi. Les Lucas, Upamecano, voire Kanouté, entre autres, je pense, passent devant Pavard. Donc, non. J'ai oublié Koundé également. Je suis pas d'accord. Le problème de Koundé, c'est différent parce que Koundé, avec Deschamps, c'est sur le côté droit. Et donc, je reviens sur le côté droit. Mais le problème, c'est que jusqu'à hier, même hier, il n'était pas sur le côté droit, notre ami Pavard. Il était dans l'axe de la défense. Même hier, devant lui. Mais c'est comme ça qu'on l'a découvert. Jonathan Clauss, il reste Koundé devant lui. Donc, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il ait gagner sa place pour l'Euro 24. Parce que, attention, à l'Euro 24, il n'y a que 23 joueurs qui vont aller. Exact. 23. On est limité. Et que ce soit dans l'axe ou que ce soit dans la défense, il reste aujourd'hui, au mieux, le troisième choix ou sur les côtés droits, voire le quatrième choix dans l'axe de la défense. Je suis globalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit par l'ami Juan José, parce que pour la simple et bonne raison que Didier Deschamps ne fonctionne pas comme les autres coachs, il ne fonctionne pas comme tu l'as présenté, tu l'as dit, il y a des joueurs qui pourraient susceptiblement passer devant lui à ce poste de défenseur central, mais qu'est-ce qu'il dit Didier Deschamps? Il dit il prend pas les meilleurs joueurs à leur poste, il prend le meilleur effectif. Et en ce sens, il y a tout un esprit cohésion, tout un esprit extra-sportif qui joue aussi, notamment dans les vestiaires. Je pense que vraiment, Pavard est un homme fort de Didier Deschamps. Et quoi qu'il se passe, il l'appellera, parce que rien qu'on se rappelle de ce but contre l'Argentine en Coupe du Monde 2018, ça commence à l'intégrer. Mais c'est un gars qui a pris sa place juste grâce à ce but incroyable contre l'Argentine. Une retournée à la Nacho, non, c'est à la Pavard, comme disait Grégoire Margoton. Place qu'il a perdu au Qatar, il faut le rappeler. Et donc, moi, Pavard, je pense qu'il a totalement sa place, parce que la philosophie de Deschamps n'est pas de prendre les meilleurs joueurs, c'est de prendre le meilleur effectif, et je pense que dans le meilleur effectif, Pavard a sa place dans les 23. Je rejoins totalement, totalement Jouba. C'est-à-dire que là, tu as un profil qui peut être soit en défense centrale, soit dépanné sur le côté droit. Comment tu peux t'en passer ? Aujourd'hui, en équipe de France, qui peut avoir ces deux positions-là? Koundé. Et avec, oui, Koundé, mais il faut se rappeler il faut se rappeler aussi son match de finale contre l'Argentine. Les buts qu'on se prend contre l'Argentine viennent du côté droit et viennent de Koundé, notamment. Donc, Koundé, personnellement, moi, je suis pas entièrement convaincue. Par contre, Pavard, il a de l'expérience. Il a eu l'expérience des grandes compétitions, d'une Coupe du Monde, notamment. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. Pour qu'on puisse se passer de lui Il le prendra dans tous les cas, à moins qu'il se blesse. Moi, je pense que le cas de la blessure, s'il n'a pas de régularité dans son club, parce que je sais aussi que ça joue un peu pour Didier Deschamps, mais je pense que vraiment Didier Deschamps n'a pas la même approche qu'un coach classique, tu vois, Juan José. Et il nous l'a déjà démontré. Il y a plein de moments où il aurait pu prendre d'autres joueurs. Hier, je parlais de vraiment de ce rejet-là aussi, par moments qu'il peut avoir à l'égard des joueurs marseillais, au vu de son passage, des difficultés qu'il a eu à la fin. Oui, ça, ma théorie d'hier. Moi, je la défends encore aujourd'hui. Que je pense que des fois, il y avait des moments où Payet était très bon, où il aurait pu être là, où il y avait des moments où Jonathan Clauss aurait mérité. Laisse-moi juste terminer, Claude. Où il aurait mérité d'être là, et que ce côté-là, ce petit côté réfractaire qu'il a au vu de son passage à l'OM, je pense qu'il se fait ressentir aussi par moment. C'est mon avis. Ouais, c'est vraiment ton avis. Juste la question est de savoir, a-t-il gagné sa place? Je pense pas, je vous l'ai dit, qu'il l'ait gagné aujourd'hui. Parce que il y a des joueurs qui vont revenir, qui étaient absents hier. Des joueurs importants. On parle encore une fois des Upamecano, qui aura certainement sa place dans l'acte de la défense. Qui a fait une Coupe du Monde solide. Effectivement, et qu'on parle de Koundé, qui pour l'instant pourrait être ou pas la doublure de Jonathan Clauss. Pavard, c'est son gars sûr. Donc je pense que à la date d'aujourd'hui, il est très très précipité de dire qu'il a gagné sa place. Il va y avoir d'autres matchs qui vont arriver juste pour préparer au mois de juin de l'année prochaine, effectivement, cet Euro 24. Mais
C'est pour ça que à date d'aujourd'hui, ça me paraît trop précipité, d'autant plus que le match de référence est un match amical face à une équipe déjà qualifiée et qui n'est pas non plus parmi les premières équipes européennes. Donc, je vous rappelle juste quand même que un geste significatif hier, c'est qu'il a eu le brassard. Le exact. Brassard de capitaine, c'est exact. Pas anodin. Donc mais ça veut dire que dans un autre temps, Deschamps lui accorde quand même sa confiance. C'est son gars sûr. C'est peut-être parce qu'il est en train de faire la paix avec lui après ce qui s'est passé du côté du Qatar. Parce qu'il faut se rappeler, premier match et puis il est ressorti. Mm-hmm. Il est donc, intouchable. Pavard, c'est son gars. Il y a, intouchable. Non, je te le dis, moi, je sais comment fonctionne Deschamps. Deschamps, il a des affinités avec des gens, il a des rôles qu'il attribue et Pavard est indéboulonnable dans ce. À moins qu'il se passe quelque chose, encore une fois l'Euro n'est pas là, c'est un peu plus tard, c'est dans 8 mois, même un peu plus même, tu vas me reprendre Claude si t'as les chiffres en tête, ouais, c'est 8-9 mois, 8-9 mois, ouais c'est ça, 8-9 mois, donc il peut se passer beaucoup de choses. La vraie question, oui Jouba, excuse-moi de te couper, question, est-ce que Pavard, alors c'est vrai qu'il a cette efficacité, très bien, mais est-ce qu'il a été redoutablement efficace et régulier en équipe de France? Non. Vous avez vu les deux buts qu'il a marqués hier quand même. Soyons clairs. Surtout le deuxième but. Il joue en avant-centre. Il joue en avant-centre pratiquement. Parce qu'il y a une domination. Il y a une domination de l'équipe de France. Mais oui, mais pour te dire que ce n'est pas un match de référence. Tant mieux pour lui. Mais ce n'est pas face à l'Écosse, dans ce match amical, qu'il va se gagner sa place. Non, mais c'est bien pour rentrer dans les bonnes grâces de Didier Deschamps, si tu veux. Mais on est encore trop loin. Il y a trop de monde qui va revenir dans cette équipe des France et qui aujourd'hui sont devant lui. Ça, c'est la réalité. Pour réagir, 01 53 48 3000, faites comme Adnan qui est avec nous ce soir. Bonsoir Adnan. Bonsoir Adnan. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va Adnan? Oui, ça va et vous? Ah ben ça va. Alors Adnan, on vous écoute. Ben, j'écoute ce débat qui est assez passionnant justement et par rapport à différents... que vous avez donné justement pour cette équipe de France et notamment le cas Pavard. Je suis globalement d'accord avec Jouba et Yasmine parce que hier il a gagné sa place. Encore une fois, n'oubliez pas que Deschamps, et je vous rejoins dans l'expérience justement des compétitions, la polyvalence du joueur, mais aussi il ne faut pas oublier que Deschamps, il a vraiment une préférence pour les défenseurs, même s'il y aura 23 joueurs justement pour cette compétition, je pense qu'il va sacrifier, voire même milieu, pour l'incorporer Pavard, justement, même si on a une multitude de défenseurs centraux, il en mettra un supplémentaire, justement, quitte même à supprimer un milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que, au fil des compétitions, et on l'a vu, à chaque fois, on a un ou deux défenseurs qui se blessent, et la chance qu'on a, c'est qu'on a ce réservoir qui permet de pallier justement à ses manquements, mais pour moi, Pavard a gagné sa place. T'as raison. Par son expérience, sa polyvalence, le match qu'il a fait hier, et surtout, voilà, si Deschamps aurait dû sortir par rapport à ses comportements qu'on a vu par le passé, il l'aurait fait bien avant. Et t'as raison. Il l'a toujours maintenu dans le groupe. Et je vais dire une dernière chose aussi, c'est un arrière central de métier, de formation, etc. Et il a toujours été, même s'il a gueulé un petit peu, mais il a toujours fait le taf, entre guillemets, arrière-droit, même si des fois il a été très défaillant. Mais en tout cas, on sait combien c'est difficile de passer d'un poste à un autre, et surtout d'un poste de central à latéral. C'est pas du tout les mêmes appuis, c'est pas du tout les mêmes repères. Et il l'a fait, malgré que voilà, il a quelques absences. Mais en tout cas, on a vu hier... on l'a remis central. Il aurait pu jouer la carte de la sécurité en restant derrière et jouer le défenseur, etc. Non, il était en confiance, il est monté et il a mis ses deux buts. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Hier, il a gagné sa place. T'as raison Adnan, et franchement oui, tu as totalement raison, c'est ce côté très éclectique qu'il a, de pouvoir passer d'un poste à un autre, d'être polyvalent, c'est vraiment aussi un des atouts, et tu as très bien résumé le truc quoi. Alors s'il a gagné sa place, qu'il a perdu?
Personne. Il est indéfendable. Non, mais je vous pose la question. Je vous rappelle que c'est toujours 23. Donc il a toujours eu sa gagné sa place. Il a toujours eu sa place. Qui l'a perdu? Effectivement, il y a toujours beaucoup de défenseurs. Je ne sais pas qui l'a perdu. Il a sa place. Il a sa place, Juan José. Je ne sais pas. Après, il va trouver d'autres joueurs. Mais tu es sûr de voir Pavard? C'est impossible qu'ils en passent. Est-ce que c'est Dembélé qui a perdu sa place hier? Non, mais Dembélé ne joue pas au même poste. On va revenir, les amis. Si tu mets un défenseur central ou un défenseur, il faut bien que tu sortes un autre joueur. Exactement. On va revenir juste après la pub. Anan, vous restez bien avec nous. On se retrouve juste après. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, ce mercredi 18 octobre, 20h et 20 minutes, toujours en compagnie de notre consultante Yasmine. On est avec le coach Tolé qui a si fièrement et aussi bien présenté ce début d'émission. Un grand merci au coach Tolé qu'on pourra retrouver de ce soir aussi. Ah ben, il est de partout, le coach Tolé. La télé. Oui, c'est ça. TFX, c'est ça, hein, TFX. C'est ça, TFX, c'est ça. Le coach Tolé. 21h05, c'est ça. Alors nous, c'est 20h20, on est ensemble avec Jouba et Juan José. Il n'a pas enchaîné, Jouba, mais on va le laisser un peu le temps. On va commencer. C'est plaisir déjà de te retrouver. Déjà, tu arrives un peu de retard, ça fait plaisir de te retrouver. Ah ben oui, dans les transports en commun, c'est ça. La moto, la voiture, elle ne marche plus, on ne sait plus comment faire. À cause de Jouba, ça. Faut venir avec la cape, tu voles comme Superman, dis donc. Super Bilou. Au 01-53-48-3000, qui est toujours là avec nous à la réalisation, qu'on pourra retrouver jusqu'à 23h avec Vanessa. Adnan, il est au téléphone, justement on va essayer de le reprendre, mais dans un premier cas, alors on va revenir avec le coach Tolé sur Pavard et l'équipe de France. Time Sport. La parole des sociaux. Oui, le grand gagnant, peut-être la personne qui a gagné sa place, c'est le débat du jour. Pavard obtient son billet pour cet Euro 2024 en Allemagne, le coach Tolé. C'est une bonne question. Après, pour moi, il va falloir encore attendre parce que tu as des joueurs de qualité sur lesquels Deschamps a compté jusqu'à présent, qui ont été performants derrière, qui n'étaient pas présents. Donc après, t'es dans un contexte où oui, Pavard a été efficace. Oui, il est efficace, même en étant défenseur. Ouais. Je suis efficace devant le but. Il y a des joueurs qui sont pour moi qui le sont beaucoup plus en tant que défenseur central. Ça faut pas l'oublier. C'est un match amical hier, très bien. C'est un match aussi qui compte pour marquer des points. C'est sauf vrai, que tu as quand même des joueurs importants qui n'étaient pas présents. Et je les vois quand même mal ne pas aller à l'Euro. Maintenant, tu as une saison qui va se jouer. J'en parlais en off aussi. Tu as le retour de Jonathan Clauss qui est un véritable latéral droit. Ce n'était pas le cas. Parce que jusqu'à présent, il faisait jouer Pavard ou Koundé à droite. Ouais. Cela veut dire que tu as un joueur supplémentaire. Donc, si Pavard gagnait sa place, la saison va nous donner raison ou pas de savoir qui partira, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il va pas s'amuser à prendre pour moi 10 défenseurs. Ouais, voilà. Il faut des mecs polyvalents. Après, ce qui joue pour lui aussi, c'est son expérience. Il a été champion du monde. Bah oui. Ok. Mais en 2022, il a pas existé. Ça faut pas l'oublier aussi. Ouais. Et d'autres gars se sont révélés aussi derrière. Aussi. Oui. Tout ça, voilà, c'est à prendre en compte. Maintenant, il est efficace. Et d'autres joueurs polyvalents également pour lui. Donc, je pense que la saison va faire que ça se joue à pas grand chose. Mmh. Et le point que Yasmine quand même a évoqué tout à l'heure, c'est que. Alors, il manquait quand même pas mal de cadres à ce moment-là, mais il a quand même bénéficié du brassard de capitaine à la sortie de Mbappé. Oui, on t'écoute, Jouba. On l'a évoqué, je suis globalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit par l'ami Claude. Je l'ai dit, il y a des éléments qui sont indéboulonnables dans le plan Deschamps, et ils l'ont fait partie. Et en plus, on a expliqué son côté très éclectique, très polyvalent, il peut jouer partout, je l'ai dit. Comme d'autres. Comme d'autres, mais lui, beaucoup plus que les autres, il y a un côté affectif. Mais Deschamps l'a toujours dit. Quel est son dernier match référence au très haut niveau? Merci de le rappeler. Hier, doublé. Au très haut niveau. Ouais, hier, doublé. Hier, c'est un haut niveau. Sur là, les deux matchs. Il n'y a pas de sous-match, il n'y a pas de sous-équipe. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Oui, mais t'as un contexte. Bah, si, ça marche comme ça. T'as des mecs qui sont très bons dans les matchs amicaux, mais lorsqu'arrive. Donne-moi des exemples. Mais lorsqu'arrive la compétition, lorsqu'arrive justement le moment où il faut répondre présent, il n'y a plus personne. Qui, par exemple? Donc ça arrive. Tu penses à qui? J'en ai pas là spécialement. Bah, il y en a plein. Mais ça a toujours existé. Ils jouent des matchs et voilà. Mais non, ils jouent pas des matchs et voilà. Les gens te le diront également. Faut être présent dans les grands moments. D'accord? Et là. Pavard, il a mis un but incroyable contre l'Argentine. Il est intouchable. Voilà, et donc, en fait, si tu veux, tu vois, quand je t'entends parler de Pavard. C'était il y a 4 ans. Tu parles de Pavard comme si c'était Jean-Pierre Papin. Mais c'est pas un attaquant, Pavard. Moi, je te parle de Pavard. Mais je te parle de Pavard. Tu es en train de me dire, oui, il y a 4 ans, il a mis un super but. Mais il y a 10 ans, il a mis un super but.
imposer. Mais défensivement, tu as des joueurs qui apportent plus de garantie aujourd'hui. Ouais. D'accord. Que sinon, lui, ils sont en train de jouer. Ouais. Des joueurs indéboulonnables, ce sont des mecs comme Griezmann, comme Mbappé, qui sont indéboulonnables. Giroud l'est encore à ses yeux. Pavard l'est un petit peu moins, mais il reste quand même un mec important pour le groupe. Va falloir qu'il se batte pour avoir sa place pour l'Euro. Ce n'est pas parce que tu as mis un doublé contre l'Écosse que tu diras ah bah il a mis un doublé contre l'Écosse, un but contre l'Argentine, donc donc on va le prendre. On le prend avant tout par rapport à ses caractéristiques de défenseur. Alors Yasmine, la réaction avec aussi contre-procès. Son transfert via le du Bayern à l'Inter a été très bénéfique pour lui. Ça a été très bien, très bon pour lui mentalement. On le voit, il a été titulaire depuis le début de la saison avec avec l'Inter. Juste avant la coupure pub, Juan Trossé demandait mais qui on pourrait enlever de cette équipe. Il n'y en a que 23 qui partiront. C'est vrai que c'est une question compliquée. Je pense que là, l'incertitude pour Deschamps, c'est la défense centrale, c'est ce couloir droit, notamment. Après, on a eu hier un défenseur qui a été bon sur le plan défensif et qui a marqué également. C'est quand même lui qui débloque après le match, qui revient au score avec son but. On a été très mal parti les 15 premières minutes. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus, finalement? Moi, j'aimerais, quand je dis un match référence de Pavard au très haut niveau, c'est avoir ce qui n'a pas été le cas hier soir, même si c'est vrai qu'il a, pour moi, il est meilleur dans l'axe que sur le côté. Après, il a toujours fait jouer à droite et malheureusement, ça l'a desservi, même au niveau, même de sa notoriété, de sa, voilà, de ce qu'il dégage en bleu. Mais c'est mon avis personnel. Maintenant, moi, j'attends de voir un match où Pavard, quand je parle d'un match référence, un dernier grand match, c'est face à des attaquants de très haut niveau à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a un match aujourd'hui? Est-ce qu'on alors peut-être qu'on va voir la réponse avec notre réalisateur. Moi, référence. Quoi, c'est en 2018, il y a 5 ans. Moi, je veux bien. Hein. Solal, ça remonte à loin. C'est vrai, il n'a pas raison. Il n'a pas tort. L'Argentine, ça remonte à loin en Russie. Ouais, on t'écoute. Moi, je suis totalement d'accord avec Claude. Bon, il a un sacré truc sur le dos. Pas voir, c'est qu'il a mis un but incroyable qui a un peu entre guillemets fait que sa carrière a pris un gros boost. Ça fait longtemps maintenant. Bien sûr. Donc moi je pense que Pavard, ça a toujours été un joueur qui avait sa place dans un effectif de qualité. Oui. Il a commencé par Stuttgart où franchement c'était un joueur assez complet au niveau du potentiel de jeu. Ce que je veux dire par là, c'était que c'était un joueur qui était capable à la fois de défendre mais de faire des passes décisives. Il en avait fait des très très belles à Stuttgart. Oui. Moi ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, j'en ai déjà parlé hier, Pavard c'est un joueur qu'il ne faut pas sous-estimer. Hier je vous avais dit il faut faire très attention à lui pour ce match-là. Je pense qu'il a aussi une certaine rage qu'il a au fond de lui de certaines critiques, de choses qu'il a emmagasinées depuis des années, des choses qu'il entend sur les réseaux sociaux ou peu importe, mais au final là, après, il doit faire face, c'est comme ça. Je pense que Pavard là, il a 27 ans et il peut que exploser dans les prochaines années en équipe de France. Bon, Solal, tu parlais de son passage à Stuttgart, il faut quand même rappeler qu'en 2018 quand il l'appelle, il n'était pas du tout dans le plan de Didier Deschamps. Il vient en doublure parce que sur la droite il manquait qui déjà à l'époque. Il y avait vraiment, on l'attendait pas du tout Pavard. Et pourtant c'est lors de cette Coupe du Monde là qu'il va prendre son envol avec notamment ce but à la Nacho. Mais on le disait à l'époque à Stuttgart, il n'était pas si important que ça au niveau de la sélection, quoi. C'est là qu'il va prendre ses marques et s'imposer. Bah, à part ce but en 2018, moi j'ai trouvé plutôt fébrile au cours de la compétition. Il a eu pas mal d'accrocs avec les joueurs de l'équipe de France qui lui reprochaient beaucoup ses placements. Défensivement, c'était solide. Son manque d'envie, notamment Pogba qui lui a insufflé certains mots qui ont été assez lourds pendant je me souviens plus quel match, mais en tout cas c'est un joueur qui a pas su endosser réellement son rôle en 2018. Je me rappelle contre les Belges, contre les Diables Rouges, personne ne passait. Et c'était une muraille la défense et Pavard faisait partie de cette muraille là. Les gars, on peut pas dire Pavard c'est un joueur moyen, c'est un très bon joueur. Mais son match référence remonte il y a 5 ans, il y en a plein qui étaient bons il y a 5 ans. Attendez les gars, on a été en finale de Coupe du Monde. Lasserre, Il était là, Pavard. Contre l'Argentine, il était où au Mondial 2022, Pavard? Quel match référence il a fait? Il a joué. Quel match? Sur Pavard, vous avez dit à un moment donné, oui, mais voyez-vous, on lui a donné le brassard. C'est bien. Ça nous fait rigoler en Espagne, l'histoire du brassard en équipe de France. Pourquoi? Parce que en Espagne, ça n'a pas du tout la même signification. Le brassard, là, c'est lui qui a le plus capé des 11 joueurs qui sont sur le terrain. On a parlé de ça avec Anna. Il n'y a pas d'essence particulier
au fait de donner le brassard. Pourquoi dernièrement c'était Morata? Parce que c'est le plus capé des joueurs espagnols. C'était Ramos quand même. Non, c'est pour ça, c'est que j'ai beaucoup de fois entendu parler justement de cette histoire de brassard en équipe de France. Mais vous rendez compte qu'ailleurs comme France, il y a une symbolique quand même mais Juan, non, alors, la symbolique, Juan c'est Rosé, celui qui est le plus capé. Point. Juan José, je crois qu'hier, quand il récupère le brassard, bon, c'est parce que c'est aussi un mec du groupe, il est dans le groupe des champs depuis un bon moment. Alors, et c'est vrai qu'à ce moment-là, lorsqu'il le récupère, ce n'est pas si preuve de confiance particulière. T'as les Bouba Camara, le côté tonnerre, t'as d'autres mecs. On a Anan, notre consultant, qui aimerait réagir justement sur Pavard. Bonsoir, Anan. Rebonsoir. On l'écoute. J'aimerais juste rappeler une chose et réagir justement sur tout ce que vous avez dit. N'oubliez pas que Deschamps, c'est sa cinquième des compétitions, qui fait exactement le profil de joueur qu'il a besoin, et notamment en termes de défense. Et pour moi, Pavard, c'est l'un des profils idéals pour Deschamps. Et il y a un fait qu'il faut que je vous rappelle, mais vraiment, vraiment, rappelez-vous qu'il y a un match en Coupe du Monde, je ne sais plus lequel, où Rabiot avait fini arrière-gauche parce qu'on n'avait plus assez de défenseurs. C'était à l'Euro 2021, ouais. Exactement. Et il a répondu présent. Et non seulement il a répondu présent, mais je vous rappelle que si Deschamps doit prendre beaucoup plus de défenseurs que de milieux défensifs où tout le monde peut faire le taf, comme Rabiot qui peut être cette fameuse sentinelle ou Camavinga, etc., il le fera. Quitte même à prendre beaucoup plus de défenseurs que de milieux. Sachez que il y a toujours dans toutes les sélections plus de défenseurs que d'attaquants. Ouais. Parce que dans une équipe nationale, on a tendance, ce qui est logique, à doubler les postes. Vous partez de la base, que vous avez 4 défenseurs, donc vous avez déjà 8 défenseurs pratiquement dans toutes les sélections. Parfois même 10, puisqu'il y a des sélections qui jouent à 5 derrière. Donc, qu'il y ait plus de défenseurs, mais c'est partout. Ouais. En équipe d'Espagne, en équipe de France, en équipe d'Italie. Quoique l'Italie, vu qu'elle ne va peut-être pas se qualifier après avoir raté les deux mondiales. Mais l'idée, c'est que. Bien sûr qu'il y a plus de défenseurs. Il y a toujours plus de défenseurs dans toutes les sélections nationales. Il a participé à toute cette campagne éliminatoire, Pavard. Deschamps, on le connaît, il est sur la stabilité. Il est sur une équipe plutôt homogène. Il regarde non pas que l'aspect technique, mais aussi est-ce que chacun peut rentrer dans ce groupe de l'équipe de France. On a parlé d'ailleurs récemment qu'il n'était pas. Guendouzi, par exemple, n'avait pas les faveurs de Deschamps. Donc, moi, je vous parie qu'il sera rappelé d'ici la fin de l'année, au mois de novembre, contre Gibraltar, contre la Grèce. Ça sera certain. Voilà. Et fait, tu as des coachs, c'est des kinés, et tu en as d'autres, c'est des ostéopathes. Tu sais, ils voient la chose dans le global. Et ben, Didier Deschamps, c'est un ostéopathe du football, c'est pas un kiné du football. Il voit pas poste par poste si tu es meilleur ou quoi. Il pense vraiment à l'aspect global, je l'ai dit. Hein. Ouais. Justement, Anan, Oui, Anan, oui. On va garder Anan, hein. On reprend Anan. On a justement le petit clin d'œil de Kamel, hein, qui dit big up au personnel de l'hôpital Louis Mourier de Colombes, qui nous écoute ce soir, et bien sûr à l'Espérance sportive de Sartrouville. Voilà, un fervent auditeur et avec des auditrices, son équipe féminine et aussi des garçons, voilà, qui nous écoute chaque soir sur l'antenne de Beurre FM. On reste ensemble avec toute l'équipe de Timesport. On va revenir concernant Didier Deschamps, mais pas que, aussi les droits TV. Timesport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, ce mercredi soir, mercredi 18 octobre, 20h34, toujours en compagnie du coach Tolé, Yasmine, Juan Trossé, sans oublier aussi Jouba. On aura la visite, comme il se doit, comme chaque mercredi soir, d'Aurélien Duhart avec sa fameuse chronique du bien-être et aussi dans un monde de paix, on l'espère en tout cas pour toutes et tous. Le 01 53 48 3000, vous faites comme Hanan, qui est consultant dans cette émission et qui réagit concernant l'équipe de France. Et oui, on appelle, c'est Solal, notre réalisateur, qu'on pourra retrouver avec Vanessa 21h, 23h d'ailleurs. Cette solution innovante d'Ornicar intégrée dans un pack permis de 25h. C'est bien de le rappeler. Hein, par les temps qui courent, on fait un peu du sociétal ce soir, comprenant quand même 17 heures de conduite et 8 heures de e-learning. Voilà. Ah ben, il faut y aller sur ce site qui est Ornicar. Voilà. Ça, c'est pour la petite info pratique pour nos jeunes. Hein, cette jeunesse, quelquefois, qui se demande où on peut
veut avoir tous les bons tuyaux, eh ben voilà, sur l'antenne de Beurre FM. Permis moto, pas oui, permis moto, tous les permis, bien sûr. Oui, permis moto, permis bateau. Oui. Permis bateau. Permis avion, si tu veux, même permis hélicoptère. Aller à la Réunion avec. Ouais. Jouba, le 01-53-48-3000, allez, on va s'attarder encore une fois sur cette équipe de France et son sélectionneur. Time Sport. La parole des sociaux. Et oui, il a donc trouvé peut-être son style pour Juan José, avec, voyez, avec ses joueurs. Non, tu me regardes comme ça. Oui, non, on ne sait plus. Pavard est là, Pavard n'est plus là. Non. Il n'a pas son 11 type parce que il y avait des titulaires qui n'étaient pas là, qui étaient blessés, qui n'étaient pas retenus pour ce match amical parce qu'ils ont d'autres obligations aussi avec leur club. C'est vrai. Quand tu regardes ceux qui étaient assis sur le banc de touche, quand tu as Lucas Hernandez qui est appelé a priori à être l'un des titulaires dans l'axe de la défense, peut-être avec Upamecano, quand tu as Rabiot aussi qui était sur le banc de touche et qui est certainement l'un de ceux qui va effectivement en fonction des matchs être ou pas titulaire, tu te rends compte que non, il a tout simplement essayé un certain nombre de joueurs. Il en a fait quand même rentrer 5 ou 6 lors du match. Et justement, il essaye de trouver ce 11 titulaire, sachant encore une fois qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas présents et qui sont appelés certainement à être titulaire de cette équipe s'il n'y a pas de blessure. Après, il y aura les surprises, parce que tout à l'heure on parlait avec Jasmine du fait que qu'est-ce qui se passe avec Ousmane Dembélé. Alors, je disais que du côté droit, le fait d'avoir Koundé, ça a un avantage, c'est que si Dembélé est titularisé, les deux joueurs ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont joué ensemble du côté des Barcelone, mais il y a des questions qui vont se poser d'ici le mois de juin, d'ici deux mois, parce qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à marquer. Même si le premier rôle de Dembélé, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de Dembélé, n'est pas de marquer. Parce que lui, c'est un dribbleur, c'est celui qui doit donner la dernière passe, qui ramène le ballon, qui doit effectivement amener le ballon près de la surface de réparation et donner la bonne passe et créer du déséquilibre. Ce n'est pas un buteur né. Ce n'est pas non plus ça. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'arrive pas non plus à faire des dribbles, et ça c'est préoccupant, on en a déjà discuté ici même par rapport au PSG, où la plupart de ses dribbles restent dans les pieds de l'adversaire. Donc ça devient compliqué. Donc l'équipe type, non. Didier Deschamps a une équipe en tête. Maintenant, il va essayer un certain nombre de joueurs, espérant trouver peut-être la pépite. Je suis d'accord avec Jouba. Avec Jouba, pas avec ce quand tu parlais des Pavard en 2018, effectivement, c'était pas le titulaire, mais on a découvert un Pavard à un niveau que personne n'attendait en 2018. Peut-être qu'il va le trouver cette saison, justement en préparant avec ses matchs amicaux. Et je pense que même si c'est officiel, le match du Chypre et de Gibraltar, ça reste quand même des matchs amicaux pour faire jouer justement des joueurs qui n'ont pas beaucoup de minutes en équipe de France et qui vont pouvoir montrer s'ils méritent ou pas d'être dans les listes, peut-être dans une première liste de 30 avant de laisser des côtés 7 pour n'amener que 23. Oui, Jouba. Totalement Yasmine, d'accord. On termine avec l'équipe de France avant de passer au droit TV. D'accord avec Juan José. Moi, je pense qu'hier, Didier Deschamps a été plutôt rassuré du côté de la défense. Mais reste de gros questionnements concernant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le couloir droit. Le milieu de terrain, on ne sait pas encore, Tchouaméni, Kamavinga, est-ce que Rabiot sera plutôt là? Donc il y a de grosses incertitudes et malheureusement, comme tu l'as dit, Juan José, Dembélé n'a pas l'efficacité qu'il doit avoir en équipe de France et notamment aussi au Paris Saint-Germain. Donc il y a de vrais questionnements. Et je dirais que par rapport à ces matchs qu'a connu l'équipe de France ces derniers mois, ça n'a pas été forcément rassurant. Je pense que Didier Deschamps n'a pas eu vraiment toutes les réponses concernant son attaque, notamment concernant son équipe type. Et je pense qu'il y aura quand même pas mal de surprises d'ici la fin de la saison. Tu parles de Dembélé, c'est pour moi Coman dans d'autres caractéristiques. Moi, c'est un super sub, Coman. Je le vois pas forcément titulaire dans le 11 de l'équipe de France. À l'Euro 2021, ça a été l'un des seuls qui a été au niveau. Et pour moi, il est beaucoup plus mature, en tout cas dans le jeu, dans la manière où Deschamps, est amené à jouer souvent avec un bloc bien compact en fonction bien sûr de l'adversité. Il peut, ça va se jouer entre les deux. C'est deux styles complètement différents.
Faut voir. Colomwani, est-ce que vous posez la question aussi par rapport à lui, puisqu'il n'est pas non plus performant sur le côté droit, il n'est pas plus performant en équipe de France qu'au PSG. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème qui est pourtant dans les 30 du Ballon d'Or. Moi, je suis constant dans les 30 du Ballon d'Or, Colomwani. Oui, mais il faut pas être dans les 30, il faut être dans les 3. C'est bizarre, c'est très bizarre. C'est qu'en fait, Colomwani, t'as le sentiment que sa carrière, elle aurait pu, elle a failli basculer, ça joue à rien. Il y a eu un emballement avec son transfert de Francfort, cette occasion en Coupe du Monde a failli le faire basculer dans quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Il fait une superbe saison en Allemagne et en fait, on sent quand même que, en fait, il bénéficie encore du fait qu'il soit arrivé tard au PSG avec les Mbappé, etc. Mais en réalité, si tu le prends individuellement, pour le moment, c'est insuffisant. On est qu'en octobre. Clairement, ouais, on est qu'en octobre, c'est vrai, mais par rapport à ce qu'on attend. Il est arrivé vraiment fin août, quoi. Ouais, mais par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc, tu l'as dit, C'est un joueur maintenant international. On attend quand même plus d'un mec comme lui. Et la preuve, hier, il le fait rentrer que. Il y a deux titulaires qui étaient sur les bons touches, quand même. Je pense que Conan et Thuram auraient pu être dans les 11 titulaires. Et ils étaient effectivement la dernière rubrique de cette émission avec aussi Aurélien Duarte qui arrive rapidement. Time Sport, le mode pressing. Là, ça va pas faire sourire les supporters de cette Ligue Uber Eats, hein. Peut-être les Espagnols avec la Liga. Bon, la Serie A. La Ligue 1 ne connaîtra donc pas l'identité de son futur diffuseur. Et oui, pour la période 2024-2029. Depuis mardi, après le dépôt, des offres qualitatives, lundi, la Ligue de football professionnel, la LFP, a organisé justement, hier mardi, à son cabinet d'avocats Clifford Sienz, les jonchières, de 5 lots, dont 2 principaux, pour la diffusion des matchs en direct. Et là, tout tombe à l'eau, on a l'impression. Vas-y, tu restes vraiment dans le football. Oui, bien sûr. Tu ne parles pas de gouvernement ou quoi que ce soit. On va rappeler la genèse du projet, Bilal. Vas-y, rappelle-la tout doux. Rappelons-nous que tout ça part de Mediapro. Est-ce que tu te rappelles de Mediapro? Oui, investisseur espagnol qui voulait racheter les droits de la Ligue 1 pour 1 milliard d'euros avec, en son rappel à l'époque, je ne sais pas si tu vas te rappeler, de Nathalie Dubois de la Tour. Oui, l'ancienne présidente. C'est ça? Oui. C'est ça, avec. L'ancienne présidente de la. Comment il s'appelait le gars qui. Kinyou? Non. Ah bref, ils étaient. Joël. Non, Joël Kinyou, c'est un arbitre. Non, mais c'est un ex-arbitre. Non, c'est pas Joël Kinyou. C'était un autre gars qui était avec elle à la LFP à l'époque, parce que c'était la LFP chargée. Kinyou, voilà, et pas Kinyou. Autant pour moi. Que de l'amour à Joël Kinyou, arbitre qui intervient chez nos confrères, mais. Donc non, en tout cas, on se rappelle qu'à l'époque, il y avait eu cette vaste supercherie dans laquelle sont tombées ces deux personnes parce qu'ils devaient retrouver un repreneur. Et depuis, donc, on a cette situation où tous les ans, on doit rechercher des droits télé, enfin à qui vont bénéficier ces droits télé contre une somme. On le rappelle, c'était parti pour 4 ans normalement à l'époque. Donc là, c'est 4 ans qu'on doit renouveler à chaque fois. Et donc là, on voit que l'attractivité de la Ligue 1 se casse la gueule. On va pas se mentir. On voit que les diffuseurs sont peu friands à l'idée de diffuser parce qu'ils savent que les retombées derrière, parce que ça reste des sous, ça reste d'histoire de gros sous, d'annonceurs, ils vont pas tirer leur lot. Monsieur Saada à Canal Plus s'est retiré. Là-bas, Bean, ça se retire. Enfin, où on sait plus trop comment ça va se passer la Ligue 1. Malheureusement, avec les nomenclatures et l'institution qui est la FFF, la LFP, tout ce bazar qui a été ces fédérations sous l'aile de comment il s'appelle l'autre là, Le Graët, tout se casse la gueule. Maintenant, on le rappelle, c'est Philippe Diallo qui a repris le truc, mais on voit que tout a été tellement mal géré qu'aujourd'hui, ça n'attire plus personne. La Ligue 1 n'attire plus personne selon Jouba. Ça n'attire plus personne, c'est logique parce que 825 millions pour avoir les deux matchs, les deux principaux matchs de la Ligue 1, ça fait trop d'argent, sachant que Amazon a eu pour 625 millions la Ligue entière. C'est un milliard parce qu'il y a 825 millions pour la Ligue 1 en France. Et puis 200 millions qu'il espère récolter
à l'international, la vente des droits à l'international. C'est le milliard. Alors, c'est vrai que maintenant, de toute façon, c'est un jeu des dupes, tout simplement, parce que Canal Plus ne s'est pas présenté. Effectivement, il a annoncé qu'il ne s'est présenté pas au mois de septembre, mais par contre, il va négocier maintenant de la nouvelle phase qui va s'ouvrir. C'est du gré à gré qu'on appelle, comme en 2021 d'ailleurs. C'était déjà du gré à gré. Donc, Canal Plus va être présent, Bein Sport va être présent. Oui, c'est ça. Amazon, donc effectivement, il va y avoir du gré à gré. Et maintenant, de toute façon, on ne sera pas loin du milliard. Je vais vous dire pourquoi. Bah, tout simplement parce qu'on a oublié qu'il y a une société qui s'appelle CVC Partners qui a investi ou qui doit investir sur un certain nombre d'années 1,5 milliard d'euros sur la Ligue 1. Et cette société a repris 13% de la société commerciale qui commercialise les droits les droits TV. Et cette société, forcément, qui est un investisseur, ne va pas non plus brader ces 13% et c'est 1,5 milliard qu'il est obligé d'investir dans le foot français. Donc, on ne sera pas loin du milliard, mais on ne sera pas de toute façon non plus à 825 millions qui était le prix de départ pour l'ensemble des lots en France de la Ligue 1. La précédente période, je crois qu'elle s'est levée à 620 millions. 624 ou 625 millions qui étaient payés par Canal et Amazon parce qu'ils ont repris. Mais là, c'était récupéré le reste, sauver les meubles. Après la débâcle Mediapro, sauver les meubles. Tout ça, il faut dire que ça va retomber sur les amateurs de football parce que les abonnements vont encore être vendus une fortune, que pour regarder des matchs pourris en Ligue 1, on va devoir débourser je sais combien, mais les gars, au bout d'un moment, faut être logique. Qui va payer 40 euros par mois pour regarder un match flingué de Ligue 1? Excusez-moi du terme, mais Faut expliquer. Mais Zouba, c'est ça, c'est une réalité. Faut respecter la meilleure formation du monde. Ce qui est respectable. Faut respecter la meilleure formation du monde. Ah bah oui. Football, c'est la meilleure formation, aussi, en termes de football. Je pourrais lancer le débat aussi après avec Aurélien. La Serie A n'a pas encore de diffuseur. Benjamin Pavard vient de la formation française. Ce n'est pas que France, la Serie A n'a pas encore de diffuseur pour la saison dernière. De toute façon, on a jusque le 16 août. Il y en a certains qui nous écoutent. C'est là quand la Ligue 1 va commencer. Jusqu'au 16 août, on a le temps, enfin la Ligue a le temps de négocier effectivement les droits de TV. De toute façon, 1 milliard, moi je pense que c'est trop. Il est confiant, le football français. Mais encore une fois, le fait qu'il y a CVC Partners qui est qui investit aussi dans le football espagnol parce qu'il est aussi il a investi dans le football avec la Liga espagnole, fait qu'effectivement c'est n'importe quoi. Il va y avoir concernant un quart du Rififi Zouba, ici du moins, le 16 août. Pas du tout avec Juan Trossé. Rapidement. Faut qu'un ou deux clubs soient rachetés. Ah ben voilà, un rachat. Le rachat, on y croit. Marseille, ils sont où là? Marseille, selon le coach de province. On sait pas justement. On sait pas. Ben oui, il y aura. Ben ça s'appellera plus France Bleu. Ils sont en train de changer. On est en train de changer avec. On est en train de changer. Moi non. Mais les confrères. Dis-nous tout. Non, les confrères de France 3 et aussi France Bleu s'appelleront ici. Voilà. Ici c'est Paris, je sais pas, mais en tout cas ça sera ici. Allez, avec Aurélien Duarte. Comment ça va, Aurélien? Salut Aurélien. Salut l'équipe. Dans merci ce monde de crise, apporte-nous de. Écoute, je vais très la... bien. Je rentre du Forum des Halles où il y a eu un gros gala de boxe anglaise organisé par Estelle Mosley et je prépare mentalement Amina Zidane, une de nos boxeuses de l'équipe de France, et elle a gagné et c'était trop chouette de voir le centre de Châtelet comme ça avec un ring gratuit pour le public. En plein Châtelet sous la canopée. On a plus trop de temps, Aurélien, s'il te plaît. C'est pas une interview d'Aurélien Duarte, il fait partie de l'équipe, Aurélien. On enchaîne, Aurélien. Il y a beaucoup d'auditeurs de l'équipe qui me demandent justement, Aurélien. Le thème que j'ai choisi ce soir, et je pense qu'il vous parle à tous et qu'il est nécessaire en ces périodes de grands troubles, la paix. Assalamu alaikum, que la paix soit avec toi. Pourquoi donc ce souhait? Il y a tellement de choses qu'on pourrait souhaiter aux autres. L'amour, la santé, l'argent, la liberté, du dépassement, des voyages, je ne sais quoi. Et pourtant c'est la paix que l'on te souhaite. Alors pour être clair tout de suite, la paix n'est pas un but. La paix n'est pas un objectif. La paix est une condition sine qua non, indispensable à mieux vivre la vie. Comment se fait-il que ce bébé que nous étions, en paix, calme, qui ne criait que quand il avait faim, que quand il avait peur, que quand il avait souvent des stimuli extérieurs, nous sommes devenus ces enfants peureux, excités, agités, ces adolescents renfermés, agressifs, et ces adultes, peut-être qu'avec une apparence d'adulte. Accélère,
Dépêche-toi, fais plus vite, accumule, soit dans le faire, soit dans l'avoir, soit dans la compétition. Attention à l'extérieur, ne fais pas du mal aux autres. Toute cette propension à regarder, à observer et à se laisser impacter par l'extérieur, voilà ce qui te vole ta paix. Reviens en ton centre, reviens en toi. Ce qui est important, ce ne sont pas les situations, c'est la manière dont tu y réponds. C'est ça, avoir la paix. Action-réaction, c'est épidermique. Colère, tu amènes de la colère. Brutalité, tu amènes de la brutalité. Déni, tu amènes du déni. Jugement, tu amènes du jugement. Qu'est-ce que tu améliores ? Non, vous n'aurez plus ma colère. Non, vous n'aurez plus ma haine. Mon indifférence au mieux. Et mon amour, si je peux vous en donner. Sais-tu que quand l'humain a été créé, Dieu a caché la divinité, son plein pouvoir, parce qu'il avait peur que les humains en abusent. Alors, un de ses conseillers lui a dit « On va cacher la divinité au fin fond des océans, et l'homme ne la trouvera jamais. » Et bien sûr que l'homme a développé des machines, des techniques, et il peut descendre au fond des océans. Alors on lui a dit « On va le cacher au plus haut des montagnes. » Et l'homme a gravi, il pouvait marcher, escalader, et atteindre les sommets. Au fond des grottes, c'était pareil. Alors Dieu a eu l'idée fantastique. Je sais où je vais cacher sa paix. Je sais où je vais cacher sa divinité. À l'intérieur de lui-même. Là où il n'ose jamais regarder. Voilà ce qu'il en est. Tu veux la paix ? Cesse de regarder l'extérieur. 5 minutes par jour. Si tu n'as pas 5 minutes par jour pour toi, c'est que vraiment, tu ne t'aimes pas. 5 minutes d'inactivité, d'immobilité, de respiration, de conscience du moment présent, le seul moment qui existe. Et d'ailleurs, c'est un cadeau, puisqu'on l'appelle le moment présent. Sortez du moment présent, et c'est l'enfer immédiatement, disait Eckhart Tolle. Ton mental, tes peurs sont toujours dans le passé, qui n'existe plus aujourd'hui, ou dans le futur incertain, qui n'existe pas encore. Tu te fais souffrir avec du vent. S'il te plaît, maintenant, avec moi, ressens ses fesses sur cette chaise. Est-ce que tu es debout ? Est-ce que tu es allongé ? Est-ce que ton dos touche le dossier ? Si les jambes sont croisées, laquelle est par-dessus l'autre ? Et à mesure que tu m'écoutes, est-ce que tu n'écoutes que moi ? Y a-t-il une autre stimulation, une autre occupation ? Redeviens monotache. Et maintenant que tu as ralenti ce corps, regarde comme tu as un peu plus de paix. Et le secret ultime, respire. Calme. Silence. Regarde comme une partie de toi n'aime pas ça. Associe ça à l'ennui, à la vieillesse, au rejet. Tu as peur de cette paix que tu désires tant et qui est tapie à l'intérieur de toi-même. Être en paix, c'est être vide. C'est être en dehors. C'est être détaché, invisible. Accepte 5 minutes par jour et ne prends tes décisions importantes qu'après ces 5 minutes. Et si tu es pressé, fais 10 minutes. Que la paix soit avec toi. Merci. Merci, voilà. Eh ben, on espère qu'on aura beaucoup de paix, hein. Prends-toi, c'est bon. Bravo. Et t'as reboosté pour la fin de semaine, hein. Ouais, voilà. Hein. Et je pouvais pas respirer. Et aussi, Jouba. Et bravo, Eden Hazard qui vient de rechausser les crampons, là, pour un match qualitatif pour les pièces jeunes aussi. Bravo, Eden Hazard. Oui, le que je te donnais rapide avant de laisser la place à Vanessa. Merci au coach. Merci, justement. À Aurélien Duart, notre consultant. Mais oui, mais oui, mais oui. Voilà, vous allez sur les réseaux sociaux. Merci de laisser la place dans cette émission. Merci infiniment. Merci à toi. Voilà, avec Aurélien Duart. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive et nous on se retrouve dès demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.